Cet après-midi, la séance affichait complet. Les amateurs de cinéma et de musique s'étaient passé le mot au programme Amour et Malavita. Un polar italien à la sauce Broadway. Un cocktail qui ne se refuse pas, foi de cinéphile. Sans musique, les films seraient plats, à mon avis. Enfin, ça a une grande importance, la musique. Et puis, il y en a dont on se souvient très longtemps. Tout à fait, tout à fait. Ascenseur pour l'échafaud, par exemple. J'en oublie, mais bon, il y a un film aussi américain. Hein. Une grosse femme dans le désert, j'ai oublié le titre. Ah oui, c'était Bagdad Café. Voilà, Bagdad Café, il y avait une musique formidable. Voilà. Désert dont on se rappelle parfois plus que du film lui-même. La force de la musique au cinéma, c'était l'un des thèmes de la conférence d'Alexandre Jaffré au théâtre. Le compositeur de bandes originales de films a rencontré les plus grands, Lalo Schifrin, Ennio Morricone et Hans Zimmer. Pour lui, la musique, c'est raconter ce que l'on ne voit pas. La musique, ce qui est fort, c'est que ça rentre pas du tout par la conscience. C'est-à-dire qu'une musique, c'est beaucoup plus insidieux et ça, d'un seul coup, vous êtes en train de regarder une scène, vous êtes ému et vous ne savez pas si vous êtes ému pas parce que vous voyez ou pas la musique qui vous a touché d'un seul coup. Et c'est ça qui est la force de la musique. C'est-à-dire que d'un seul coup, quand la musique vous a attrapé dans un film, c'est trop tard. Vous voyez ce que je veux dire? Ces musiques-là sont sorties des salles de cinéma pour devenir, au fil des ans, les bandes originales de nos vies. That's gotta work. Well, I don't know why I came here tonight.